qui met l'anneau et aussitôt se transforme en schizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolymas et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants schizo les battent tous pour les réduire en grands potes. Super force et super vitesse, y'en a pas deux de son espèce. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Chicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Méga baffe, écrit l'enfer, qui en fille est trop super. Schizo. Shizu a plein d'adversaires, bulle de base et même Tara. Faites gaffe, la voilà. Shizu, Kelly et Sheila font leur show. Shizu, tous aiment Shizu. Shizu, jamais on a vu un tel héros. Shizu, y'a que seul Shizu. Bienvenue dans le Chilibrité Show consacré aux célébrités avec votre présentatrice préférée, Alexessif. Aujourd'hui, notre invitée très spéciale n'est autre que la très chilèbre, totalement hallucinante, la super-héroïque Shizu. Comment ça va, Megadale? Salut, Alex. Pardon, enrouée, contente d'être là avec vous. Entrons dans le vif du sujet. Une question que tout le monde se pose vous concernant. Quelle femme se cache derrière ce déguisement? Oh, vous savez, vous seriez vraiment surprise. Surprise? Parlons-en justement, car nous avons pour vous aujourd'hui sur ce plateau une super extra méga surprise. Shizu, reconnaissez-vous cette silhouette? Non, je n'ai pas le pouvoir de vision rayon X. Et pourtant, vous étiez très amis avec cette personne, Shizu. En fait, vous étiez tellement proches toutes les deux que vous n'hésitiez pas à faire équipe pour combattre le crime. Mais vous êtes devenue ultra célèbre et aimée de tous, alors que votre meilleure amie sombrait dans l'oubli et devenait chaque jour plus aigrie. Mais la revoilà aujourd'hui pour enterrer la hache de guerre. Sortez de l'ombre, Tara! Oh, ma chère Shizu, oh, quel plaisir de te revoir enfin! Tu m'autorises à te prendre dans mes bras. Veuillez m'excuser, mais quel est votre nom déjà? Oh, espèce de chipie! Pas sympa comme surnom. Pause pub, nous revenons juste après. Faites évacuer le studio, vite. Je vais m'occuper de cette Tara. Par ici, tout le monde. Rouge à lèvres laser. Aïe! Non mais ça va pas! Laisse Shizu tranquille! Mais aïe! T'es qui toi? Qui je suis? Je suis son acolyte, pardi! Mon nom est La Pince! Le Sphinx? Non, La Pince! On va voir si tu en passes pour ça, mommy! Tara, je pense que tu as un problème, il est temps de te faire soigner! Avec de tels pouvoirs, j'arrive pas à comprendre que tu ne sois pas plus populaire. Manquait plus que ça, voilà papa. On se reverra, Tara. Oh oui, sois-en sûr, on se reverra. La voilà, papa. C'est elle, c'est Tara qui a attaqué Shizu. Mettez donc les mains en l'air, jeune fille. Et j'en profite pour vous en taper 5. Vous êtes devenue mon idole. Non, sans blague. Comme c'est bon d'entendre ça, je suis à nouveau une super-héroïne. Papa. Vous avez vraiment donné une bonne leçon à ce flamant rose à paillettes? Oh, eh bien... J'aimerais beaucoup vous inviter à dîner ce soir chez moi. Aïe! J'accepte avec grand plaisir pourvu qu'on m'éloigne de ce sparadrap ambulant. Vraiment délicieux. Vous complimenterez le chef pour moi. Délicieux. J'espère que ce n'est pas trop salé pour vous. C'est du pipi. C'est du quoi? Oh, elle veut dire poupou, ça vient d'Hawaï. Oh, et merci encore pour ces ravissantes fleurs, leur parfum est merveilleux. Pour tout vous avouer, elles sont pour votre mari. Merci. Dites-moi, Tara, à bien y réfléchir, je me souviens de vous maintenant. En tant que super-héroïne, je veux dire, vous aviez la cote à l'époque, hein? Mais j'ai toujours la cote! Ce sont les gens de Megadale qui n'y comprennent rien! Après m'être lamentée toutes ces années sur mon triste sort, j'ai réalisé que c'était moi la véritable super-héroïne de cette ville.
Et je vais provoquer un duel Shizo pour prouver à tous que j'ai raison. N'y pense même pas. Oh. Je veux dire, c'est bien beau, mais comment êtes-vous sûr que Shizo va relever le défi? Qui va lui parler de ce duel? Moi? J'aimerais bien, mais je la connais si peu. Je vais la convier à un concours de beauté qu'elle ne pourra pas refuser. Nous nous affronterons à coups de charme. Ce sera le Charmageddon. Ah oui, eh bien allez donc tout de suite vous refaire une beauté, parce que croyez-moi, c'est loin d'être gagné. Et pour ce qui est de votre charme, il en faut bien pour tous les goûts. Et reprenez donc vos mauvaises herbes, le regard est tout bonnement insupportable. Et puis laissez mon mari tranquille, hein, sinon... Ça c'est bien maman. Dit ah. Ah. Oh non, pas le poupou. Ce défi est absolument chidicule. Mais carrément. Je crois que je ne vais pas y aller. Impossible. Ah. Pourquoi ça? Une des règles à laquelle Shizo ne peut en aucun cas déroger est la règle 2-7-3-4. Shizo ne peut en aucune façon se défiler si on lui lance un défi, quel qu'il soit. Je crois que tu n'échapperas pas au Charmageddon. Oh. Ben dis donc, il te reste plus qu'à te mettre à niveau, mon pote. Et crois-moi, il y a un sacré boulot. Ça oui, il te manque de l'éclat, du glamour et de la présence sur scène. Rien que ça. Quoi, c'est tout? Eh oui, contente-toi de lire ce foutu papier. Charmageddon, Tara contre Shizo. Venez vite acheter votre billet. Je fais quoi maintenant? Ça répond à ta question? Shizo! Très cher Plumeau, grâce à toi je fais le ménage. Très cher Plumeau, grâce à toi c'est le grand nettoyage. Maman! Oui ma chérie? Tu sais, j'ai une amie qui... qui aurait besoin de quelques conseils pour avoir plus de charisme sur scène et c'est assez urgent. Oh, mais c'est formidable! Tu as bien fait de m'en parler. Comment s'appelle-t-elle? Shizo? Oh non, mais j'y crois pas. Bonjour, voilà, je me demandais si vous seriez prête à me donner quelques petits conseils qui me permettraient de gagner le Charmageddon. Je suis prête à vous payer, enfin un peu. Tu es prête à botter les fesses de cette matue vue de Tara? Oh oui, plus que jamais. Alors prépare-toi à être la plus belle. Super! Être belle, c'est pas si facile. Être belle, c'est pas que du style. Alors épile, épile, et épile-toi encore. Allez, courage, travaille et embellis ton corps. Être belle, c'est pas si facile. Être belle, c'est pas que du style. Faut le prévoir, faut le vouloir, tout sortir de son armoire. Grimper sur scène, au sommet de la gloire. Tu es la plus belle. Ouais. Yeah. Bienvenue au Charmageddon. Guédon, Guédon. Avec vos membres du jury préféré, Capitaine XL, Uma Thermic, Pixel Pete. Yeah! Mais qui nous arrive là? Dans sa combinaison vert-grenouille, qui semble plus déterminée que jamais, Tara au charmant sorcelant, mais au regard dur comme la pierre. Vous saviez comme vous m'avez manqué. Mais aujourd'hui, votre accueil me submerge comme un océan d'amour. S'il vous plaît, continuez, c'est trop bon. J'ai son de l'ombre dans sa combinaison flamant rose, déchaînant les acclamations de la foule. Shizo a le regard acéré du léopard en quête d'une nouvelle proie. Elle va s'affronter dans le dôme du Charmageddon. Tara et Shizo. Que la meilleure l'emporte. Ouais, on peut dire ça comme ça. Rouge à lèvres laser, capable de dépasser d'un trait ton rictus. Mon méga mascara. Inutile que je te fasse un dessin. Arrête, boomerang! C'est vraiment tout ce que tu sais faire? T'as oublié de te brosser les dents!
Oh non, elle va pas faire ça! Elle va nous mettre le feu! C'est ce que j'appelle se défendre bec et ongle! J'ai toujours mon coupe-ongle sur moi! Vas-y, Tara! Essayez de vous en prendre à Shizo et vous verrez. Allez, Shizo, crêpez-lui le chignon à cette chibi. On ne peut pas dire que ce soit très classe. Ça, non. Mais j'avoue que ça m'a mis en appétit. Parfois, bombe! Non! Vous le dites. Et personne ne peut dire le contraire. Ma dignité. Oh, ça va, je te fais juste les ongles. C'est bon, je vois pas ce qu'il y a de mal. Vous n'allez pas vous disputer pour si peu. Les garçons ne se font pas faire les ongles, c'est tout. Mon pote, je t'assure, tu devrais essayer le bol d'eau tiède. Un pur bonheur. Mais faut pas que t'oublies de faire pipi avant. Préserver sa beauté fait partie des préoccupations majeures de Shizo. C'est ce que je lui dis. Tiens, écoute ça. Handicapé par l'ongle incarné de son gros orteil, Shizo se retrouve en grand danger face au général vénère. Sur le point de chuter de la falaise d'une seconde à l'autre. Je veux pas que tu touches à mon gros orteil. Ça me chatouille, rien que d'y penser. Signal d'alarme, signal d'alarme. Il y a le feu à la fabrique de pop-pop-pop-popcorn-pop-a-pop. Oh, dommage. Il va falloir couper court à cette séance de manucure. Maz, vite, à la chimobile. Hein? Qui êtes-vous? Capitaine Contagieux? Mais non! Je viens de filer un coup de main, je m'appelle Manoman. Du renfort, vas-y ma poulette. Ici le chef Roger, faites-moi évacuer les hommes qui sont sur le toit immédiatement, ça peut sauter d'une seconde à l'autre. Ça va, y'a pas le feu. Mais si, crétin, justement, dépêchez-vous. Mon café va refroidir. Dépêchez-vous, je vous dis, et que ça saute. Ça saute ou ça va sauter, faudrait savoir. Il est où ce feu? Là, sous la fumée. Ah oui, c'est pas un feu de camp, dites-moi. Oh.
J'avoue qu'il me faut encore un peu de pratique. Shizo, attention! Merci! C'était trop facile! Dis donc, t'as vu un peu ton ongle? Quelle horreur! J'ai dû me le casser en montant à l'échelle. Ça fait mal! Bien sûr que ça fait mal, il est à vif ton ongle. Évidemment, je me donne jusqu'au bout des ongles. Non! Oh. Non! C'est quand même pas mon lit! Si, mais plus maintenant! Appelez-moi saut de lit! Laisse-moi deviner, tu es prêt à bondir sur les bandits au saut du lit? Exact! Moi je bondis et le crime vacille! Ah oh. Oh. Je vais bien! Signal d'alarme, signal d'alarme. Regardez ça. Toute la ville est engluée par une sorte de morve géante. On dirait bien qu'il s'agit là d'une mission pour Shizo et son acolyte Sodli. Dépêchons, hop, hop. Shizo! C'est horrible, toute la ville est une zone sinistrée. Allons voir ça de plus près. Dégueu, mais c'est quoi ce truc tout collant? Oh, merci Shizo. Avec plaisir. Je crois qu'il est temps de mener notre petite enquête. Des empreintes de pas. Gel ultra fixant pour les cheveux? Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Moi aussi, je suis coquette! Mais qui es-tu? Et toi, qui es-tu? J'ai demandé la première! Ah, bah ça alors, tu m'as bien eu! Désolée, mais j'ai affaire! Ah! Bizarre. Je sais bien, elle me ressemble en tout point, sauf qu'elle est plus... gothique. Génial. Non, pas génial. Voilà qui est mieux, voilà la Shizo que j'aime. Signal d'alarme, signal d'alarme. Ben dis donc, un problème en cache un autre, on dirait. Tout comme les trains, et ça peut faire mal. C'est oh non vrai. Le Megadel Express sera là dans 5 minutes. Va falloir accrocher sa ceinture. Mais il n'y a pas de ceinture dans les trains! C'est là tout le problème. Shizo! Il roule, le petit train, et il déraillera bientôt! Shizo! Arrête tout de suite et pose immédiatement cette... Ce sabre super sympa, je veux le même, où tu l'as eu? Oh, ça? Il est cool, hein? Shizap a plein de gadgets de ce genre. Shizap, alors c'est ton nom? Shizap. Alors ça c'est sûr, quand on te voit, on a vraiment envie de zapper. Tu veux pas retourner d'où tu viens? Mais je viens tout droit de ton ongle arraché. Nom d'un petit clone maléfique! T'es mon double malfaisant! Les deux font la paire, c'est bien connu, hein? Je n'ai pas besoin de tes services! Mais tu as besoin des miens! Tu as déjà oublié que tu as un acolyte en cas de coup dur? Non. Oh, mal. Dis-moi, il est bien long ce train, tu ne trouves pas? D'où est-ce qu'il vient comme ça? De Londres! Je sens que certains vont être verts de rage! Oh, génial! Oh, tu l'as pris à la confiture! T'avais qu'à faire comme moi, c'est meilleur au chocolat! T'aurais pas une serviette? Tu préfères pas une couche-culotte? Tiens, en voilà deux!
dirait bien que cette chipie de Shizo est encore en train de faire des siennes. Arrête ça tout de suite! Police! Elle a disparu! Évaporée? Guy? Mais qu'est-ce que tu fais là? Hé! Hey, mais où tu vas comme ça, Wackerman? Chez moi. Il est 7h. Fin de service. Bon, tu viens, fiston. Je te ramène à la maison. Alors, chérie, comment s'est passée ta journée? Plutôt pas mal. Jusqu'à ce que je tombe sur Shizo en train de saccager des biens publics en plein centre-ville. Oh! C'est quoi cette histoire? T'as un problème ou quoi? T'as pas dit un mot depuis qu'on est rentré. T'es malade? T'es tout vert, c'est bizarre. Oh! Oh! Oh. Bon, très bien. On peut savoir qui tu es. Tiens, attrape! Je débarrasse aussi le plancher. Ma chérie, si ça t'ennuie tant que ça de débarrasser, tu aurais dû me le dire avant. Mais... Shizo! Salut. Salut. Mais je peux en faire autant. Allez, vas-y, ma poulette. Rose? Ouais, et y a pas de rose sans épines. Shizap. Mais enfin, je cherche ce que tout le monde recherche, ma petite saumonette. Je veux m'amuser, mettre le bazar et être admirée. Et surtout, dès que j'en ressens le besoin, pouvoir mettre des pic-paf à celle qui m'énerve. Et surtout, si t'as besoin de moi, n'hésite pas à me siffler. Tu as sans doute remporté cette bataille, Shizap. Mais compte sur moi pour te siffler dès que j'en aurai l'occasion. Tu dois me croire, Kelly. Je crois que je suis incapable de l'arrêter. Enfin, de l'arrêter, elle. Je veux dire, mon double, ma face obscure, mon côté Ça tourne à l'obsession. T'aurais mieux fait de m'écouter, tu te serais fait manucurer et tout ça ne serait pas arrivé. Mais enfin, serait, tu es un garçon, allons. Et alors? Mieux que la manucure, la pédicure. Ça chatouille.